faut bien faire attention quand on achète une cuisinière, car cela a un coût et représente un investissement important. La cuisson au gaz est jusqu'à maintenant la plus utilisée. Elle permet d'aller plus vite et de surtout régler l'intensité de la flamme. En plein essor, les plaques à induction remplacent peu à peu la cuisinière à gaz. Elles permettent d'avoir une cuisson avec une température très précise et peuvent faire un bond entre feu fort et feu doux en un temps record. Les plaques à induction peuvent atteindre une température très basse, idéale pour tenir un plat chaud, mais sans le faire brûler. Les plaques vitrocéramiques ressemblent aux plaques à induction, mais elles sont beaucoup moins performantes. Elles chauffent moins vite que l'induction, mais elles sont quand même plus performantes que les plaques électriques. Elles sont faciles à nettoyer et à entretenir. Les plaques électriques ne sont pas très pratiques par rapport aux autres modes de cuisson précédemment cités. Mais elles sont par contre très résistantes au choc, mais mettent assez longtemps pour chauffer, mais aussi pour refroidir. Sur ces modèles-là, il n'existe pas de système de sécurité, ni d'options comme un minuteur, par exemple. Merci et à très bientôt.